Bonjour, tu as signé un EP en 2017 qui s'appelle Cycle. C'est ça. Avec le titre Mad, donc le titre de ton album. C'est bien ça. Tu reviens cette année en 2019. Comment as-tu l'idée de ce titre d'album déjà ? Eh ben ça reflète un peu tout le parcours musical que j'ai pu faire en fait. Et ouais, toujours garder ce côté un peu mad, un peu fou, voilà, pour ceux qui... Eh oui, parce qu'on précise aux auditeurs que mad ça veut dire fou. Voilà, c'est ça, avec 3 A, donc c'est vraiment c'est, de la folie. Ouais, c'est la folie. Voilà, et il faut un peu de folie dans ce monde, de la bonne folie pour... Ouais, comme des bonnes vibes. Ouais, c'est ça, c'est de la bonne vibe. Tu diffuses la folie aux gens. Voilà. T'as un label qui est engagé localement. Est-ce que toi-même, tu es engagé pour la planète ? Mais carrément, j'ai mon potager que je cultive et ça, c'est déjà une bonne avancée. Et ouais, il y a plein de choses à faire. En fait, on peut vraiment apporter le changement soi-même. Et ça, c'est important, je pense, pour tout le monde. Mais quand on est artiste, d'autant plus, puisqu'on a une parole, on a tout ça. Et ça, c'est vachement important, en fait. Donc, t'es déjà roots à l'intérieur de toi ? Bien sûr, bien sûr. Ok, ton univers, c'est le dancehall, le hip-hop. Est-ce que tu vas tendre vers des sons plus roots comme tu as fait pour Cycle à l'avenir ? Oui, je pense. Tu sais, à chaque album, c'est un peu dans la vibe qu'on est sur le moment qu'on l'a créé. C'est cyclique. Voilà, c'est cyclique, voilà, tu vois. Comme, quoi, comme Cycle. Voilà, tout est un cycle et ouais, carrément, je reviendrai sur du roots. Je ferai sûrement un peu de soul aussi, c'est un style que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Tu mélanges les genres. Voilà, je mélange tous les genres, franchement, je suis ouvert surtout, tant que ça me plaît et que ça plaît aux gens. Tu nous parlais du label Yearning, yes. Un label qui est indépendant à Arcachon. C'est ça. Explique-nous comment s'est fait votre rencontre. Oh ben, elle commence à dater. À la base, j'avais contacté donc mon cher Adrien Sanchez, je l'avais contacté pour un clip, et on est devenus potes et on a... s'est enchaîné des tournées, des musiques et voilà, et l'amitié a fait que voilà, on a trouvé la force aussi pour lui quoi, créer son label, moi l'aider là-dessus et on grandit tous ensemble quoi. Oui, alors comment vous avez trouvé les fonds pour ça? Eh bien, on a été faire ce qu'on pouvait et on a réussi à trouver les fonds pour booster le truc quoi. Donc vous travaillez toujours à côté de votre musique ou maintenant vous êtes rémunéré par votre musique? On est rémunéré par notre musique mais pas encore au stade où on peut en vivre pleinement, donc on garde toujours un petit boulot à côté et on prie le jour où il n'y aura plus besoin de ça et que la roue tournera. Donc on se plaint pas franchement. Ouais, donc jusqu'à présent tout va bien. Tout va bien. Et on vous souhaite le meilleur pour plus tard. Et merci. Je suis déjà passé sur la scène Boom Bust tout à l'heure. Et ouais, ce soir je serai sûrement sur les interplateaux voilà, avec Terminal Sound, Selecta Antoine. Ouais. Donc voilà, c'est le DJ qui m'accompagne sur ce Reggae Sunska. Et on fera les interplateaux, même d'autres fois dans le week-end, tu pourras m'en retrouver un peu partout. Là, le fait que tu aies commencé donc avec le Boom Bus, est-ce que tu prends ça comme un cadeau ou est-ce que tu prends ça comme une récompense et un tremplin d'être ici sur le Reggae Sunska? Je pense que bon, c'est un cadeau aussi, mais je prends ça aussi comme une récompense du travail accompli voilà, jusqu'à maintenant. Voilà, ça, c'est toujours un plaisir de jouer dans un grand festival comme ça. Avec Kaya Naturel Sound System, est-ce que tu as prévu de faire des surprises un petit peu sur ces trois jours? Carrément. Voilà, Kaya, c'est les potes, donc forcément, on va aller checker la vibe là-bas et bien sûr, on va poser sur la scène dub et voilà, interplateau. Voilà, je pense qu'il y aura même l'after bénévole, mais ça... On va parler des artistes aussi. Ouais. Est-ce que tu as un artiste en particulier que tu veux voir sur ces trois jours? Franchement, il y en a beaucoup. Après, on sait que Buju Banton est pas mal attendu parce que c'est la seule date en Europe, je crois. Ouais, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Après, voilà, forcément, les dubbing, tout ça, c'est des groupes qu'on adore revoir. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'un featuring avec Elements, ça pourrait être envisageable aussi? Qui sait Je sais pas, faut voir avec le label. Yearning. Et écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas. On attend de voir la suite parce que Mad commence à cartonner déjà sur les réseaux. C'est ça. Donc c'est de la bonne folie et c'est du bon son. Félicitations. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Big up.